On continue avec les altos. Pierre Holton, Rudy Whitehoff de 1930. Superbe saxophone aussi. De toute manière, il n'y a que des superbes saxophones ici. Il n'y en a pas qu'un, c'est incroyable. D'octave. Oui, c'est possible, mais dans le midi, c'est un problème. Ouais, le milieu. Oui. Pour finir avec le Pierret Holton, avec le bec Durga 5.